Yu-Gi-Oh! Qui veut tout simplement dire en japonais le roi du jeu, voilà, hein, et bah oui. Alors, est un manga écrit dessiné par Kazuki Takahashi, hein, voilà, Takahashi, qui a été pré-publié en 1996 dans le magazine Weekly Shonen Jump, comme par hasard le même magazine qui a fait Patlabor et Détective Conan, je crois. Ou alors c'était One Piece. Je crois que c'est One Piece en fait. Bon, je sais plus. Donc en tout, il y a 38 tomes, hein, voilà. Hein. La version française, bah, c'est édité par Kana, hein, tout le monde le sait. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que Takashi a créé ce manga. Il s'est inspiré de Pokémon et de Magic l'Assemblée. Et oui, ça faut le savoir. Alors le manga a été adapté par la série d'animation, par la Toei Animation, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui font de très très. C'est le meilleur. Studio d'animation, je pense, au japonais au monde. Hein. La Toei Animation, c'est vraiment un truc de fou. Au passage, d'ailleurs, les mecs, ils me font des droits d'auteur sur des passages que j'ai mis sur One Piece et Patlabor. Attendez. Comme quoi, un animé qui est sorti en 80, bah, tu peux encore te taper des droits d'auteur par la Toei Animation. Voilà. Même s'ils font des trucs bien. Voilà. Donc je leur dis qu'ils font des trucs bien, mais ils me mettent quand même des droits d'auteur. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Écoutez, on va continuer. Non, ils font des trucs bien. Donc voilà, il y a certaines vidéos qui sont bloquées au Japon, ce qui est tout à fait logique. Bref, donc, on connaît tous la série, hein. Il y a eu quand même qui est entre 98 et puis après il y a eu une seconde saison entre 2000 et 2004, je crois. Il y a eu deux films d'animation qui sont sortis en 99 et 2004. Et un film spécial qui célèbre les 10 ans de la série animée qui a été diffusée en 2010. Et pour célébrer les 20 ans, il y a eu une remasterisation de la série d'animation diffusée à partir de 2015. Et est-ce que pareil, il y a un film d'animation qui est sorti en avril 2015. Animé tourne autour justement d'un jeu de cartes qu'on appelle le jeu des ombres, c'est ça? Moi je sais plus. Mais de toute façon, c'est qui est dessus. Donc forcément, voilà, hein, t'as des cartes avec un nombre de points d'attaque et un nombre de points de défense. Voilà. Et aussi des cartes magiques, en gros c'est des cartes de bonus qui permettent d'avoir des petits bonus sur le champ de bataille. Je suis pas un pro, attention, attention, les pros qui regardent la vidéo, ils vont faire, oh putain de merde, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? On comprend là ce qu'il dit. De toute façon, je sais juste que en attaque, la carte faut la mettre droite et en défense faut la mettre en horizontale, voilà. Faut la mettre en paysage horizontal, voilà. Si tu connais à peu près le bail. Donc voilà, on nous explique que en fait tout ça, ça vient de l'époque des Égyptiens qui jouaient à un jeu. Qui pouvait détruire le monde. Voilà, et qu'au final bah, maintenant c'est devenu plus et ben bah, que ça revient en fait dans le monde actuel, justement dans ce monde actuel où en fait et ben bah, voilà hein, où t'as des mecs qui veulent s'emparer des cartes les plus puissantes pour diriger le monde, hein, un truc comme ça, hein. Voilà, c'est pour ça que le type qu'on voit à un moment, alors ça commence justement par ça, un petit duel entre potes dans un collège. Le mec il fait putain, bon, c'est normal que je gagne parce que bon, mon grand-père a. Son grand-père, Ayugi, a une boutique de cartes, enfin de jeux, mais aussi de cartes. Et il a la carte la plus. Il a une carte rare, la plus rare du monde, donc il n'y en a que 4. C'est un dragon blanc. Un dragon blanc, un truc comme ça, ou du noir, un truc. Je sais plus, un dragon. Bref, qui est juste tout simplement un dragon pété, mon gars, mais un truc de fou. Justement, le type, il y a un type alors qui veut l'acheter, tu vois, un mec qui est en mode je suis le plus riche, c'est moi, je vais tout niquer. Parce que c'est moi le riche qui va dominer le monde face aux pauvres. On sent quand même qu'il y a quand même un petit truc de classe sociale derrière. Un petit truc de la lutte des classes, hein. Voilà, hein, et donc bon, au final, le mec il se dit bon bah je vais quand même l'avoir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mais il kidnappe le grand-père pour le battre en duel. Il l'a battu, il a récupéré la carte, et Yugi, étant donné qu'il est pas content, déjà son père il va le stock tout ça, bravo.
Hein? Alors là, s'ensuit le duel, un duel entre les deux gros méchants du truc, hein. Ce qui est dommage parce que je pensais que ce type allait être le gros, un méchant un petit peu plus. Il allait durer plus longtemps, mais non, en fait, premier épisode, paf, il se fait laminer, il se fait laminer par Yugi, et après on t'explique qu'au final, pour jouer à Yu-Gi-Oh! Faut vivre le jeu, les cartes, tu vois, faut les vivre, faut vivre le jeu, putain, comme ils le font dans la ligne, comme j'ai vu un live il y a pas très longtemps sur justement. Sur un combat de cartes Yu-Gi-Oh! Oui, il y a des gens qui live dessus, il y a des vues dessus, mon gars. Et en tout cas, ça m'a fait bien marrer. Donc voilà, donc en gros, toute l'histoire se tourne autour de ça, hein, à peu près. Attendez, je vais essayer de vous le redire si je retrouve ma fiche. En gros, voilà, hein, toutes les cartes tournent autour de ces fameuses cartes mystères qui permettent de tout simplement d'avoir des pouvoirs. Comme dirait les personnes. Donc voilà, en gros, même le scénario sera. Ah ouais, voilà, donc c'est ça, c'est un. Et en fait, ça vient du. En fait, c'est son grand-père qui reçoit d'une fouille. Des fouilles en Égypte d'un peuple qui s'appelle le Millennium, qui est tout simplement le gros pendentif qu'il a. Hein. Et c'est en fait un objet antique qui permet de libérer un ancien pharaon d'Égypte qui est enfermé dedans. Et tout simplement. L'autre là. Le cas oui parce que dans Yu-Gi-Oh! En fait il a une double personnalité, c'est vachement rigolo hein, quand même. Donc quand il fait les duels il devient un espèce de jeune homme et quand il les fait pas c'est un gamin de 7 ans. Tu fais ouah trop bien! Putain. Et après tu te dis putain alors c'est comme ça qu'ils se ressentent les gamins de 7 ans quand ils jouent à Call of Duty, croient qu'ils ont 17 ans et ben putain. Bravo, bravo, bravo la jeunesse! Donc il est aussi le maître du jeu des ténèbres, hein, pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi. Hein. Et enfin, il se souvient pas de son passé ni de qui il est exactement, voilà. Et après, de multiples affrontements contre son rival qui s'appelle Saito Keba, au duel de monstres, il découvre en gros petit à petit son identité d'un pharaon qui a vécu plus de 3000 ans. Waouh, bravo! Voilà, c'est quand même assez casse-gueule. Hein. Et la clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps où il régnait sur l'Égypte est en fait son propre nom. Il s'agit du pharaon Hatem. Hatem. Voilà, toi aussi tu fais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le scénario principal de Yu-Gi-Oh! Et après, il y a eu des séries, mon gars, tu comprends plus rien. Tu comprends plus rien. Attends, tu vas sur. C'était tourné où Yu-Gi-Oh! Je sais plus où. Tu vas sur une chaîne maintenant, tu vois Yu-Gi-Oh! X machin, je sais pas quoi, t'es en mode. What is that? What is this? Donc voilà, t'es en mode d'accord si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Ben voilà, hein, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein, voilà. Hein. Alors après, il y a tout ce qui est. Il y a Yu-Gi-Oh! Capsule Monster, il y a les séries dérivées Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yu-Gi-Oh! Vrai. Brain, ce manga, pour là là. Donc de ce fait, vu que la base c'est quand même un jeu de cartes, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ils se sont dit, putain, et si on en faisait un jeu de cartes? C'est devenu un jeu de cartes à collectionner, qui, le même concept que dans le manga, hein, une multitude de cartes ont été dédiées, dont beaucoup qui n'existaient pas dans le manga, faut savoir que beaucoup de cartes qui sont dans le jeu de cartes actuellement que tu peux utiliser, il y en a beaucoup. Au départ n'était pas dans le manga, t'imagines ça, t'imagines le truc de fou, le truc de ouf godin mon gars. C'est-à-dire que certaines cartes peuvent valoir plusieurs centaines d'euros, hein, faut savoir, eh oui, parce que les cartes les plus rares sont les plus chères. Voilà, un peu comme dans les enchères. Hein. Et chaque série dérivée apporte son lot de nouvelles cartes, règles de jeu, et plusieurs championnats officiels sont organisés, alors ça je savais pas, hein, permettant aux joueurs de s'affronter dans des règles fixées. Et oui, les règles fixées forcément. Du fameux Yu-Gi-Oh! Et oui, il y a aussi eu des jeux vidéo, hein, quand tu consultes sur PC, PlayStation 2, PlayStation 3, etc. etc. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Ah non, j'ai pas dit aussi un truc très drôle, mais là vous allez rigoler. Tout simplement, vu que c'est. Et c'est aussi quand même l'un des plus gros mèmes qu'on a eu aussi sur Internet. Hein. Je vais vous montrer quelques images. D'ailleurs, elles doivent peut-être passer. Tout simplement, qu'on s'est tapé des putains de running gags avec ces cartes. Avec les. Parce que tu sais, il y avait des points de défense et d'attaque et des trucs spéciaux, tu sais, avec des. Quand tu sais, il y avait un petit texte qui t'expliquait la spécialité du monstre. Et les mecs, putain, ils se sont amusés à coller des photos de n'importe quelle personnalité
à te mettre des étoiles partout et à te mettre des attaques, des défenses, des trucs, mon gars, c'est abusé. Je te jure, il y a Vladimir Poutine, il y a Chuck Norris, ils l'ont fait sur John Cena, Trump. Putain, ils l'ont même fait sur Adolf Hitler, les mecs. Sur Adolf Hitler, les mecs. Non, mais je vous jure, ils l'ont fait sur tout, voilà. Mais bon, le seul truc que je retiens sur Yu-Gi-Oh, et là vous allez me dire, putain, ce mec c'est un gros pervers, c'est tout simplement la magicienne des ténèbres, qui est tout simplement l'une des meufs les plus swaggy et les plus kawaii, hein, comme diraient les Japonais, de tous les animés qu'on connaît. Hein. Hein, me dites pas que c'est faux, hein, on a tous eu des fantasmes avec, hein, les mecs. Ah ouais, oui. Oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc j'espère que si toi aussi tu aimes la magicienne des ténèbres et avoir une carte Chuck Norris pour déglinguer ton pote qui te sort un truc complètement WTF, mais que toi tu lui ressors une carte complètement WTF qui n'a aucun rapport avec Yu-Gi-Oh, et ben il va te prendre pour un gros connard. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Écoutez, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à dire. Hein. Enfin, j'ai essayé de faire un résumé, hein, parce que là c'est que le résumé de synthétique des premiers épisodes. Après ça. Justement, il y a de plus en plus de trucs, mais c'est très compliqué à connaître, surtout moi qui n'ai pas suivi la série assez longtemps pour la kiffer. Hein. Franchement, les jeux de cartes, c'est pas mon kiff. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Dans le prochain épisode de Chronique Manga, nous allons parler d'Assassination Classroom. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye!